C'est bon, on a accès au QG de Bloom. Oh, désolé d'avoir douté de toi. Parce que tu doutais de moi? Bah, je suis réaliste. Écoute, je suis en train de créer un virus qui va m'effacer de leur système. Oh, je suis trop fort. Donc, si je comprends bien, il me reste plus qu'à aller l'installer chez Bloom. Y a quoi comme sécurité? Ah, ça c'est une bonne question. Je crois qu'on peut dire... élevé. Ok, on va réduire leurs effectifs alors. Tu pourrais tracer leur camion de livraison? Y a intérêt. Envoie les itinéraires, on va aller les secouer. Alors j'avais essayé de live sur Ustream, mais le live était juste complètement dégueulasse. C'était juste horrible. Je pensais vraiment que c'était... Pourtant j'ai mis en optimal HD, mais le live était en... Mais il pixelisait de partout, c'était... C'était horrible. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça c'est bien parce que là, dans GTA V, écouter les passants, bon c'était même pas la peine quoi. Alors là on peut le faire. Là, par contre ça m'a l'air... La physique du truc ça m'a l'air juste dégueulasse. Ou alors ils ont des... Parce que pourtant c'est des cordes là, ça devrait... Ils ont mis des... Hey là. Le truc là, c'est des cordes pourtant. Bon admettons c'est des cordes super solides. Parce que là le truc reste bien devant. Enfin bon on s'en fout. Il n'y a pas la... Qu'est-ce que tu m'as dit, toi? Qu'est-ce que tu m'as dit? D'accord, puis elle se barre. Hey, mais il a un flingue. Oh, il met un flingue. Hop, le petit mec. Hop, je mets ma cagoule. C'est bon, je suis caché. La milice de Pony est composée d'agents de sécurité freelance. En gros, s'ils font une connerie, ils perdent leurs clients. Si je leur fais faire des conneries, ils enverront plus d'âmes. Et du coup, il y en aura moins au QG de Bloom. Oula. Wow, la carte envoyée par Thibaud. Ces types ont un itinéraire plutôt direct. Ça me laisse beaucoup d'occasions. Bon, c'est vrai que la carte vidéo comme ça, bon, c'est pas... Allez, dépêche-toi, prends la voiture. D'accord, je démarre avec la voiture, c'était... Attends, d'accord, ils vont là-bas. Ah oui, ils vont chez Bloom. J'avais déjà été voir là-bas, putain, c'était... C'était pas un bâtiment de PLA, quoi. Ils ont bien caché leur truc. Je sais pas ce que c'est Bloom, en fait. Je sais même pas. Attends, mais il bouge pas? C'est quoi cette voiture, là? Attends, mais j'ai l'impression que quand je tourne, elle tourne à 180 degrés au lieu de... Eh, mais c'est lui qui m'a poussé dessus. Merde, 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 non. Non. J'ai bien le mec, il est tranquillou là, il était en train de... Le mec était là, les bras ballants. Oh là, c'est bon, il est parti. J'adore ce jeu. C'est mon jeu préféré. Hop, la petite cinématique sert à rien. Mais attends, je suis où? Voyons le parcours envoyé par Thibaud. Mais on s'en mêle. Ces types ont un itinéraire plutôt direct. Ça me laisse beaucoup d'occasions. Et surtout que le mec avance pas, donc c'est pas du tout le truc le plus dur. Regarde, les mecs avancent pas là. Hein. C'est génial. Et cette voiture, je la déteste. Non, alors ouais, en fait, il y a des voitures qui sont plus dures à conduire que d'autres. Hein. C'est un peu comme dans GTA. Ça. Parce que celle-là, mais elle fait que de déraper.
Là, il se serait retourné vers la droite, c'était même pas la peine. Oh merde! J'ai bloqué les voitures. Ça serait con de se faire repérer maintenant. Oh, vite, cache-toi, cache-toi! Ah, quel bon enfoiré! Y'a pas un truc explosé dans le coin, ça serait drôle ça. Et l'autre il sort de... J'ai pas compris pourquoi il sortait du toit. Bon, je me suis suicidé là parce que ça me saoulait. Mais on va arrêter de faire le con. Voyons le parcours envoyé par T-Bone. Ces types ont un itinéraire plutôt direct. Ça me laisse beaucoup d'occasions. Tu vas plutôt prendre ça. Mais voilà! Mais voilà! Mais putain. Et merde. Oh le mec quoi. Le pauvre mec. Mec avec son ballon ou quel est le motif de votre urgence? Bah envoyez la police, c'est vite. Ah bah oui, c'est bon là, on a compris votre motif, là c'est bon là. Oh merde. Ça c'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. Ah bah voilà une bonne voiture. Eh hey, regardez, il vole sa voiture. Oh regardez messieurs. Regardez, il vole sa... Ils vont même pas appeler les flics. C'est génial. Regardez, il vole sa voiture. Montrez-le du doigt. Allez, il me vole sa voiture. D'accord, je crois qu'il voulait tourner, mais il a arrêté. C'était un stop là, hein. D'accord. Mec tranquillou là. Et c'est l'autre mec qui passe. C'est juste énorme. T'es pas du mauvais côté toi, espèce de con. D'accord. Non mais... Voilà, le mec il pète le feu mais c'est la fête quoi, c'est... Bon, ce que je fais n'a aucun intérêt. Hein. J'aime bien le mec là, il est pas content, l'IA n'est pas content. Attendez, c'est pas normal, il y a une voiture devant moi là, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de place. D'accord, j'ai à peine touché. Ah, il a poussé son... Ah putain, je croyais qu'il était mort. Merde.
fort sur cette fréquence. Roulez-lui dessus. J'suis dessus. On est en route. Mec, il s'est fait renverser par une voiture, il est pas mort, donc on est reparti. Tuer tous les miliciens, oui, bien sûr, on va tous les tuer, oui. Là, c'est vraiment une bande de connards. Non, c'est vraiment une bande de connards. C'est des flics. Je crois qu'ils ont percé les pneus. Hein. Ah non, c'est la musique qui fait ça. Mais c'est pas l'autoradio, j'espère, parce que ce serait cool. Ah oui, ça c'est beau, j'adore ce passage là. Oh non! Ah! Mais quel con, je passe excellent. Oh putain, il est encore en vie. Regardez par là. Où il est passé? Quelqu'un l'a vu? Putain, ça veut dire quoi le truc bleu là? Le truc bleu. Ah, c'est à dire que je suis caché. C'est à dire que dans ce périmètre, personne ne verra. Non, je sais pas en fait. Continuez à chercher. Ils sont en train de se péter la gueule. Oh putain. Je crois que c'est le meilleur, la meilleure façon de réussir cette mission. Tu peux pas faire mieux. Tu te caches quelque part et les autres sont en train de se péter la gueule sur le pont. C'est le moment d'agir. Bordel. Si seulement c'était connu à l'époque, on aurait fait des merveilles. T'inquiète, on pourra les faire à Chicago. Ça y est, ton virus est prêt? Plus ou moins. Plutôt plus ou plutôt moins? Plutôt plus. Ça devrait marcher. Enfin, je crois. Attends, tu te fous de moi? Je vais me jeter dans la gueule du loup, là. Mais panique pas. Contente-toi d'atteindre leur serveur. Moi, je m'occupe du reste. Elle est belle, la légende vivante. Merci, Clara. La quoi? Merci, qui? Laisse tomber. J'ai pas compris non plus. Je sais même pas. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'était vachement drôle là, comment ils se sont pétés la gueule là. Mais c'était juste débile quoi, parce que le pont là-bas est pété donc. Mais les mecs, ils foncent dans le vide comme des cons. Mais c'est l'IA! Le justicier a encore frappé. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'il terrorise la population de Chicago sous prétexte de rendre la justice. Certains le considèrent désormais comme un terroriste. Mais Aiden Pierce a-t-il le profil d'un terroriste? Les avis sont partagés. Il ne s'est rattaché à aucun mouvement politique et ses cibles sont de toute évidence des criminels. Les autorités insistent toutefois sur un point. Leur travail est d'arrêter cet homme, pas de le comprendre. Cette partie sera l'affaire des tribunaux. Oui, donc ce que je disais, c'est que l'IA quand même là est vraiment très conne. Hein. Surtout que je m'étais caché comme une... Bah là, je suis bloqué, hein, donc je pouvais pas faire grand chose à part me noyer. Enfin, on peut pas se noyer dans le jeu, mais voilà. Bon, on peut pas se noyer. Mais voilà, l'IA ne pouvait pas m'atteindre de toute façon. Tout ce qu'elle pouvait faire pour venir ici, c'était tomber dans l'eau. Donc, ce qui s'est passé, c'est... Oh putain, pas mal. Ça va, c'était les mouillés. Ouais, pourquoi pas. Si ça... Ouais. On va dire oui. Mais vu que c'est vu qu'il y a est trop conne, elle peut pas venir ici. Des bateaux, je sais pas si on peut me poursuivre le bateau. De toute façon, c'était pas du tout un bateau, mais. Alors ils ont essayé de passer par là, sauf qu'ils avaient pas assez de vitesse, ils sont tombés dans le veau. Menace éradiquée. Fin de la mission. Et voilà quoi, c'est. Ce genre de truc, mais t'as pas ça dans. Bon, l'IA, là, elle est vraiment très conne quoi, c'est. Je pense que là, on a la confirmation absolue qu'elle est très très conne, effectivement. C'est pas possible de faire des conneries pareilles, quoi. Non, mais... C'est pas possible. Sous dans GTA 5, qu'est-ce que l'IA est... l'IA...
D'accord, voilà. Tranquillou, je passe à travers les boudins jaunes. Là. Les saucisses, c'est génial. Voilà, là, dans GTA 5, je serais déjà. Mais non, là, il a pas envie de. Et surtout que là, je peux pas lever la caméra pour savoir si on peut sauter ou pas. Hein. Ah, si, là. Tu sais pas pourquoi, j'ai réussi. Là, je peux même pas faire rond. Oula! Alors. Là, le jeu m'en veut. Hein. Alors, déjà, l'IA est totalement dégueulasse. Et puis maintenant. Bah, je peux. Je sais même pas comment. Si, là, je. Non. Là, non, là. Attends, j'avais fait ça et j'étais remonté là. Bon, d'accord, bon, on va le faire autre part. Ah, si, là. Attends, what? Il y avait un truc jaune. Rond. Voilà, là, je peux. Crime détecté. Il est où? Mais il est super loin le crime là. Une bonne pour qui? Me dis pas qu'il y aura un mur en haut. Oh putain! Oh bien joué, dans GTA V on pouvait pas faire ça. Hein. Ah. Bon, la plupart du temps quand même il se plante dans les montagnes. Hein. Putain là par contre c'est sombre. Pourtant j'ai mis la luminosité assez forte. Bon, après faut dire que j'ai la fenêtre ouverte mais bon. Il fait pas si jour que ça. Enfin, il fait pas si nuit que ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi c'est pété ça? Parce qu'on est où là? Ah oui, on va voir le pont juste à côté. Ah oui, j'étais passé par là justement. J'ai sauté ici. Ici la police. Quelle est votre urgence, s'il vous plaît? Oh la salope. Quoi? LOL, je lui fais peur. Ah d'accord, elle saute par-dessus. C'est très très bizarre. Donc on va voir le pont, tiens. On va voir ce qu'ils ont essayé de faire. Parce que l'IA, quand t'es en hors-piste, j'ai envie de dire, l'IA ne sait plus où aller, quoi. C'est oh mon dieu, que se passe-t-il? Alors des fois, elle arrive à retrouver sa route quand même. C'est impressionnant. Elle dit, ah mais oui, il est là. Alors hop, il. Mais ils tournent aux deux. Voilà, plus tard, ils réfléchissent plus tard. Ah, ils leur pissent, d'accord, donc on va essayer de tourner. C'est pas immédiat, quoi. Parce que le mec, il est en train de te suivre. En plein cul, quoi. Tu vas dans leur piste. Directement, ils vont continuer à suivre la route. Quoi. Alors que, voilà, tu. Donc là, ils sont sautés. Ouais, c'est vrai que là, faut vraiment de l'élan. Hein. Et là, bien sûr, je ne peux pas descendre. C'est génial. Hein. La caméra en voiture elle est beaucoup trop restrictive. Ils ont pu faire un système à la GTA 4. Moi j'aimais bien ce système. C'est quand t'étais à pied. Je crois que ça marchait qu'à pied. Quand t'étais à pied là, t'avais un système là tu pouvais. Loul. Je peux. C'était pas ça que je voulais montrer. Parce que je me disais, oh putain, ça marche. Ah, mais c'est bizarre, ça descend. Voilà. Si c'est un peu. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est pas grand. Parce qu'en fait, dans GTA 4, ce qui se passait. C'est que quand tu faisais ça, la caméra. Enfin, ça faisait un truc bizarre, ça dézoomait un peu. Enfin, c'est très difficile à expliquer. Mais voilà, tu pouvais faire. Ce qui faisait que tu pouvais voir vraiment. Bien comme il faut le haut. Je sais même pas comment expliquer. Enfin, je mettrai une vidéo, je sais pas si je trouverai. Ou au pire, j'en mets pas, parce que si ça se trouve, je m'en plairai même plus. Ou c'est quoi. Attends, mais je fais quoi là? Mais il monte sur quoi là? Mais je vais où là? Enfin voilà, pour ceux qui ont joué à GTA 4, je crois qu'ils veulent savoir où je veux en venir. Et je ne peux pas. Oh si j'ai réussi! Ça c'est beau. Est-ce qu'il y a encore ma voiture? Mais de toute façon, c'est de l'autre côté que j'aille. Mais je suis où là? Mais oui! Ma voiture elle est de l'autre côté. C'est quoi qui est là? Enquête. Donc, les enquêtes, on fera ça après. Ah d'accord le. D'accord.
Pourtant, j'ai passé peut-être vraiment très haut. Hein. Tu vois, dans Far Cry 3, là, tu sautes de 2 mètres, le mec il meurt comme une merde. Quoi. Enfin, de 2 mètres, tu veux me dire, c'est quand même haut 2 mètres. Mais bon, c'est bon, on est dans un jeu, il peut faire des roulades. C'est bon, quoi. Oh, pas mal la transition. Je sais pas s'il me fait ça à chaque fois, mais là, je viens de remarquer et c'est plutôt pas mal, effectivement. Toc, le chargement qui est sur son portable, putain, c'est. Faudrait que je vérifie. Bah tiens, je vais remourir pour voir si ça le refait. Vas-y, sors de là. Mon dieu, il m'a dit de sortir. Police, j'écoute. Quelle est votre urgence? Allô? Dépêchez-vous d'envoyer la police. Sinon, on va pas s'en sortir. L'opinion publique a-t-elle changé? Mais en fait, t'as même pas besoin de l'auto, il faut juste lui faire peur avec l'auto. Pas si l'on en croit les derniers sondages. La majorité des habitants de Chicago souhaitent qu'Aiden Pierce soit condamné à la prison à vie. Des sites internet donnent ouvertement la chasse à Aiden Pierce et la police met ah merde, on peut pas passer par là. Rendre justice soi-même pour combattre un justicier fantoche est en soi un délit. Il ne faut en aucun cas alimenter ce cercle vicieux, tout contrevenant sera puni. En revanche, les autorités encouragent à utiliser le centre d'appel à témoins. Putain, en plus, on va faire tout le tour. Putain mais fini quand cette merde non, c'est... Oh merde. Eh c'était chaud là. Ah putain, j'ai cru que j'étais en train de me faire repérer. Il y avait le truc, mais non, je pense que c'est bon. Ça m'a déçu. Oula. Oh, je vais me planter, je le sens. Je vois rien en plus là. Les feux, c'est des feux de croisement. Là, je peux vous rien voir. J'ai réussi. LOL. Putain. Ah bah, ça valait le coup, putain. Ah putain. C'est putain. Bon, ça c'est 280 mètres. Bon, là je fais n'importe quoi là. Hein. Depuis tout à l'heure, je fais. Voilà. Le truc se ferme. Alors, qu'est-ce que fait le mec? C'est assez impressionnant. Le mec reste en plein milieu de la forêt. Alors que potentiellement, c'est que ça veut dire qu'il y a un train qui arrive. Mais c'est pas mal ces bornes. Ça permet de ceux qui sont bloqués de pouvoir continuer à accélérer et de ceux. Qui veulent passer en avance, ben bah, paf pas. Et ça c'est intéressant. Je sais pas s'il y a que ça aux États-Unis. Ou alors c'est juste une pure invention de l'esprit. Bloom, c'est l'avenir. Alors, on va filtrer Bloom là déjà. Pour que Thibault vienne à Chicago avec moi, je vais devoir m'infiltrer. Dans le siège principal. Des experts en sécurité. Ça va pas être simple. Vu que je suis un gros bip sur leur radar. Mais si j'y arrive, Raymond Kenny me devra une sacrée chandelle. Oui, mais tu vas pas réussir, hein. Faut pas déconner, hein. La Blum, on s'en branle. CityOS, CityOS. Ah d'accord, Bloom, c'est d'autres ceux qui font le truc de CityOS. CityOS, le... Voilà. Il y a un petit chemin. Oula! Pas très content le monsieur. Ah oui d'accord. Ah
Loul. Il y a une carte. Que c'est un endroit. Tiens, ici. Ah non, randonnée. D'accord, il y a un chemin de randonnée juste à côté de chez Bloom, c'est génial. Très appétissant. Attends, c'est quoi le but là? C'est deux. Ouais, je pense déjà que j'ai le truc là-bas, donc on va essayer. Oh, même pas fait exprès. Génial. Je l'ai déverrouillé. Quel skill, putain. Merde. Putain, mais fait peur. Putain, mais putain, mais putain. Attends, j'ai une chance de malade de trouver le truc et je me fais planter comme une merde. C'est génial. Je suis près de l'entrée. Bon, sois prudent. Tu vas débarquer comme un cheveu sur la soupe. Je pense qu'il valait mieux le faire de nuit. Hein. Gaffe, s'ils te repèrent, ils bloqueront tous les serveurs. Et là, on fera bien baiser. Ne pas se faire repérer. Voilà, là par exemple, là, on n'a pas le choix, faut le faire discrètement, obligatoirement. Non, je peux pas le déverrouiller d'ici. Hein. Oh, mais je sais même pas comment je fais pour l'avoir. Oh putain, il est là. Non, il est où? Il y a un 5-8-5. Oh putain, mais comment il a fait? What? Je croyais qu'il était retourné. Tiens, il a une belle petite arme. Arme débloquée. Toto, oula, oula. Oula. Oula, oula. Attends, on va se cacher là, de toute façon, parce que normalement, il n'y a pas d'ennemis, donc on va fouiller un peu le périmètre. Donc c'est ça qu'il faut que j'utilise. J'ai envie de le faire exploser lui. Pour l'instant, on va se retenir. N'est-ce pas? Mais c'est au cas où. C'est vrai que là, les trucs là, c'est un peu... Non, quoique. Ça peut être réaliste, puisque c'est des trucs, voilà, pour... Bon, enfin bon, s'en fout. Il faut que j'utilise quoi là, ça? Ah, mais ça a l'air d'être dans le sous-sol, c'est bizarre. Non? Ou c'est moi? Ah non. Espèce de... Ok, pas de panique. Il doit y avoir une séquence de désactivation. Réfléchis, bordel, réfléchis. Fais gaffe. N'importe quoi. Que c'était mal fait. Il doit y avoir une séquence de fabrication. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il le met sur lui-même. Il faut le trouver. Je vois que dalle. Je vais faire un tour ailleurs. Attention. Hey, oh non. Rien. Ça va quoi, exploser. J'ai besoin d'aide. On a une victime. Cherchez-le. Ce sont des coups qui me rappellent. Et discrètement, ils ont dit, hein. Je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Non, mais c'est discrètement, on a dit là. Si je veux me la jouer discret, je prends le pistolet. Je sais même pas s'il m'a déjà servi ce truc, puisque chaque fois que je l'utilisais, je me faisais repérer. Je changerai mon taf contre rien au monde.
D'accord. Comment régulièrement un blog raciste? Loul, loul et loul. Je sais pas. Restez vigilants. Oh putain, là tout le monde est retourné, je peux peut-être l'utiliser. Oh oui, en plus il est même pas resté dessus. Je me casse là-bas où j'étais. Oh putain, là putain, tout le monde était retourné, j'ai vraiment eu du cul. Ah, peut-être que c'était fait exprès, mais je pense, ouais, c'est peut-être un peu fait exprès. Parce que ça me semble bizarre que tout le monde soit. Ah, bien sûr! Puis là, faut que je retourne là-bas. Attends, utilise le profiler, mais je peux pas l'utiliser. Oui, je peux l'utiliser sans. Sans actionner ça, le profiler, de toute façon. Il faut utiliser à l'intérieur. Ah si, là j'ouvre ce store là. Ah non. Infiltration style. Suicide style plutôt là, non? Où que ça en allait? Pas l'air d'avoir grand monde. Non, je pense qu'on peut y aller. Tout le monde a l'air retourné. Ah non, il y en a un là. Je sais pas, ah si, lui là. Enfin, je pense qu'il y en a un autre à côté de lui, non? Quoique, mais il est de. Attends, mais utiliser le profiler, comment ça? Attends, peut-être qu'il faut enlever le fichier audio. Activer. Ah oui, merde! What? Mais ça s'arrête tout? Oh non, putain. Oh merde. Ah, le truc va là-bas! Mais quelle bande d'enfoirés! Alors pour se repérer, y a pas mieux, je pense, hein. Mais putain, je pensais qu'il y avait une caméra. Ouais. Bon bah, je suis suicidé. Là. Parce qu'apparemment, le truc va de l'autre côté. Oula, une petite neutralisation, là, je pense que ça serait parfait. Oh putain, il y en a deux. Oh merde, non, je l'avais pas vu. Je pensais pas qu'il y avait du monde de ce côté-là. Merde. Oula, j'ai peur d'où je vais reprendre, là, j'ai peur. Oh, que j'ai peur. Eh ben non. Je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais que le jeu allait être sympa. Et ça, c'est vraiment sympa. Alors, est-ce qu'ils vont faire le coup comme dans le... Je crois que c'était il y a... Dans l'une des premières missions, ils avaient tout enlevé. Tous les gardes dans ce périmètre là. Je pense pas qu'ils aient fait ça, mais c'est tout à fait possible. Ah oui. C'est juste qu'en fait, vu que j'ai rien sur ma carte, et ben. Oh merde, c'était le faire exploser. T'as pas prévu ça. Faites gaffe. On va le chercher. Allez par là. En plus c'est beau parce qu'on peut reprendre l'escalier. Mais prends-le! Putain. Oh la chance! Alors par contre je sais pas à quoi ça me servir d'être ici. À part pour faire exploser les gens. Okay, pas de panique. Il doit y avoir une séquence de désactivation. Réfléchis bordel, réfléchis. Voilà, l'IA. Mais qu'est-ce qu'elle branle? Elle se jette une grenade sur elle-même et puis elle bouge pas. Attention.
Attention, mon dieu, à mon charge. Oh mon dieu. Attention les mecs, à mon charge. C'est pas très dangereux. Non, non, non. Alors je sais pas si ça m'a sauvegardé ce moment-là, mais on va bien voir, on va bien voir, on va bien voir. Donc cette fois-ci, je ne fais pas le monsieur bourrin qui active les bombes sur les méchants. Je pense que lui-même, je pourrais l'avoir d'ici. Quoique, vu qu'il est dans un coin. Là. Attention, je pense que si je leur attaquais, tout le monde l'aurait vu. Non, lui, il faudrait. Bah, je sais pas en fait. Il faudrait le distraire. Moi, bon, je pense qu'il faudra le distraire avec son portable. Parce que l'attirer là-bas, c'est pas une bonne idée. Le problème, si je l'attire là-bas, c'est que. Bah, il va me gêner pour passer. Et puis, si je le neutralise, il va être devant tout le monde. Non. Oui, mais je pense. Ah oui, merde, je croyais que c'était. Bah, le truc, c'est repartir justement. Et putain, mais. Bah, ça déconne, hein, voilà, c'est tout. Chance. Mais putain, mais il est déjà désactivé! Je regarde le mur! Oh putain, il est tourné la tête! Je regarde le mur, doit être très plaisant à regarder, par exemple, parce que là c'est. Il surveille le mur, on sait jamais, parce que le mur. Les murs ont des oreilles, comme on dit. Alors imagine, le mur c'est Dumbo. Je commence à dire de la merde. Smartphone piraté pour accéder à l'enregistrement du. Oui, ça j'ai déjà fait. Donc c'est à dire qu'il y en a un autre. Donc où est-il? C'était là, oui, c'était là que je l'avais vu. Parce que là il y avait un câble. Mais en fait il est toujours là le câble. Qu'est-ce que je dis? Non, 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 c'est pas ce câble là. Alors. Donc c'est l'autre. Ah voilà, là il y en a un autre. Qui passe. Toi j'ai vu quelqu'un. Ah non, ça va être de l'autre côté là. Cool. Non, là c'est suicide. Je fais. Oh putain, d'accord. C'est tout en haut. Oh merde, j'ai même pas mis mon truc. Il faut que j'aille où là? Non, non. D'accord. Je voulais prendre la caméra, j'ai fait retourner le truc, il s'est retourné vers moi. Échec dans la mission. C'est dommage. Non, je pense que déjà passer par là ça serait plus simple. Et puis l'autre qui est là, de toute façon personne ne le voit donc je peux le neutraliser sans problème. This is not a problem. Non, mais il le voit pas lui. Mais oui, si je. Oh oui, est-ce que l'autre il est retourné là? Eh, ça c'est beau! C'est ce qu'on appelle de l'efficacité. Non, je vais certainement pas tirer. Infiltrer le réseau des Blooms. Non, faut que j'infiltre où? Ah oui, par là, évidemment. Bah, on va ressortir par là, on va pas se faire chier. Hein. Parce que je crois que je peux encore me faire repérer donc. On va bien se mettre ici. Donc faut que je mette comme ça, voilà.
Oh, ça marchait tout à l'heure. Là, ça marche. Ah oui, parce qu'il faut que le... Je peux comprendre. Bon, j'ai rien compris. Là... J'en fais exprès. Non, ça marche pas. Ça, t'es obligé de le mettre comme ça. Ça, t'es obligé de le mettre comme ça. Oui, tu veux. Alors, si je le tourne, ça va être. Bah, bon, là, il est pas mis, donc c'est intéressant. Donc, on peut prendre tout notre temps. Donc, ça, je débloque. Et là, pour le débloquer, il faut que je fasse ça. Oh merde, faut le débloquer. Oh là putain, il y en a encore plein à débloquer. Attends, y'a un blague. Non, c'est pas toi. Ouais, oh, c'est beau. Rose Washington, c'est qui ça déjà? Je crois que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et qu'il fallait supprimer. Mais... Damien Brinks demande à vous voir. Damien Brinks? De quoi s'agit-il? Il dit que c'est au sujet de Raymond Kelly. T-Bone, je vois. C'est fait. Ton nom est effacé, le spyware est en place. Ouais, je commence à avoir les pings. Bon boulot. Maintenant, faut foutre le camp. Attends un peu. Un nom est apparu sur les serveurs, il y a quelqu'un que je connais ici. Il faut que j'aille voir ça. Non, 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 déconne pas, Aizen. Ces mecs, c'est pas des rigolos. T'inquiète, je te rejoins. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va foirer. C'est obligé. T'es en dans pitié avec les Très bien, je vous écoute. Dites-moi ce que vous savez sur Raymond Kelly. Une chose à la fois. Vous devriez savoir que je suis en possession d'infos sur plusieurs de vos dirigeants. On n'entend pas grand-chose. Du genre qui valent une fortune. Mais défendez-vous. Vous ne voulez pas d'argent, alors quoi? C'est simple, je vous laisse les infos. Dans ce monde, rien n'est. Quel est votre prix sur Raymond? Je veux un accès total au. En échange, je vous donnerai les infos, et même le justicier, une fois que j'en aurai fini avec lui. Je sais, vos supérieurs ne sont pas. Mais. Kenny se cache juste ici à Boston. Plutôt pratique. Veuillez m'excuser. On tient Kenny. Allez. Quel bon de petit malin. Attends, mais moi je bouge pas les caméras, je veux croire en cinématique. L'alarme s'est déclenchée. Fouillez le secteur. Il fallait s'en douter. Damien est en train de tout faire foirer. Il s'en rend même pas compte. On a besoin de Kenny. Mais Damien, en fait, c'est un méchant ou pas? Parce que... C'est très bizarre le. La vache. Attends, puisque normalement il y a personne où j'ai tué tout le monde. Donc ça, c'est plutôt pratique. Attends, est-ce que je peux sortir par là? Eh, franchement. Attends, si je... Non, mais je peux sortir là, c'est. C'est honteux. Oh merde! Oh putain!
Oh, ça c'est beau. Il y a des motos en plus là. Cool les motos. Et les motos qui étaient là complètement par hasard évidemment. Damien a dénoncé Thibaut. Il avait dit qu'il me laisserait pas faire et il tient parole. Mais il gagnera pas ce coup-ci. Tu vas bientôt avoir de la visite. Bloom sait où tu es. À mon avis, tu te cours. Parce que si je me souviens bien, je t'ai envoyé là-bas justement pour m'effacer de leur radar. Et c'est ce que j'ai fait, sauf que la milice est après toi. Ah, il y a des jours où je devrais écouter la petite voix qui me dit de rester au pieu. Oui, là t'aurais dû, oui. Saloperie de bordel de merde. Allez, grouille. Dépêche-toi de m'appliquer. Oh là, aïe. Donc là, il ne reste que deux missions pour finir l'acte 2. L'acte 3, mais où je suis sur l'acte 3. Youhou! Mais carrément, c'est déjà fini, c'est déjà. Je me fais discret, j'espère que t'es pas trop manchot avec un flingue. Un petit peu. Mais pas déclencher l'alarme, déclencher le truc là. Et ça me fait repérer, j'ai fait un génocide. Blackout. Ah d'accord, il y a des blackouts, donc comme ça, oui, ça me permet de pas trop bourriner le truc. Mais bon, le blackout, il dure 2 secondes, donc ça va pas m'arrêter. Et bon, ils sont en train de se cacher, les autres canards. Ça se tout mettre en même temps, comme ça, t'es sûr de pas te prendre le blackout. Ouais, le blackout, il sert vraiment à rien. Ah putain, mais il est encore là. Bon, j'ai l'impression que je tue plus personne. Hein. Alors, soit tout le monde est mort, soit il en reste 3 par exemple. Comme quoi, j'ai cru que ça allait être la boucherie, mais en fait, c'est complètement ici. Ah non, ils m'ont vu les autres, c'est foutu. Enfin, c'est foutu, bah non, regarde. Mais le mec est juste là. Ah d'accord, il est loin en fait. Attends, pourquoi il y a... Ah non, c'est T-Bone. Ouais, d'accord, c'est pour ça de fouiller. Oh, qu'est-ce que c'est facile. Ah, oh, il était facile, lui. Il me fonçait dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle... Ce qu'on appelle, voilà. Ça n'a même pas de nom, c'est... C'est innommable. Ouais, je comprends. Faut qu'on se grouille. Grouillons-nous. Et protégez-le. Ça, c'est mou. Putain, je vais être obligé de tout faire sauter. Il va falloir que j'amorce plus de pièges. Après, on dégage en quatrième vitesse. Quel dommage. Bon, allez, on s'en fout, c'est parti. Je me suis suicidé, youpi. Tiens pour responsable. Ouais, je comprends. Faut qu'on se grouille. Donc là, vaut mieux pas l'utiliser, puisqu'on vu qu'on est en plein milieu du truc. T'es pas plus embêtant. Putain, je vais être obligé de tout faire sauter. Oh merde. Putain, bah oui, mais t'as, tu peux.
Tu peux débrouiller tout seul. T'étais bonne quand même. Quoi, il a déjà repris toute sa vie? Ah oui, c'est peut-être mieux comme ça, parce que si avait pu dire, ça me ferait un peu chier. Les bombes sont en place, mais c'est pas prêt. J'ai besoin d'encore quelques secondes pour charger le détonateur. Je dois bien faire gaffe à ce qu'ils puissent pas les désactiver. D'accord. T'as un casque audio? Quoi? Tout juste. Il faut de la grande musique pour fêter ça, mon pote. Oh là là, ça arrive de partout. Ok, prépare-toi. J'espère que les pièges vont fonctionner. Mais pousse-toi. Je vais me faire suicider, là. Mais ça fait rien du tout, cette merde. Ah, il y a de la musique là, c'est pas bon ça. Franchement, je crois que je vais sûrement être droit de torré là, donc si c'est coupé, c'est normal. Faut taper le coup. Oui, il y a de la musique. Droit d'auteur, bonjour, Tabati. Ouais, je comprends. Faut qu'on se grouille. Par contre, ça a l'air compliqué là. Parce qu'encore la première partie, bon, ça allait parce que c'était. Putain, je vais être obligé de tout faire sauter. Il va falloir que j'amorce plus de pièges. Après, on dégage en quatrième vitesse. Quel dommage. Bon, allez, on s'en fout, c'est parti. Mais c'est pas ça, c'est... Ah, c'est ça de faire le con. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pas les activer en fait, parce que si c'est pour tuer T-Bone ou me suicider... Ouais, je comprends. L'intérêt est limité, effectivement. Tu veux me bouger là? Mais je vais où? Je me suis planté. Putain, je vais être obligé de tout faire sauter. Il va falloir que j'amorce plus de pièges. Après, on dégage. S'il y a une couverture, je pense que c'est pour l'utiliser. C'est bon, je commence à faire de la merde encore une fois. Ah, c'est génial. C'est putain de génial. Je te tiens pour responsable. Ouais, je comprends. Faut qu'on se grouille. Putain, je vais être obligé de tout faire sauter. Il va falloir que j'amorce plus de pièges. Alors, qu'est-ce que je fous avec cette arme, hein, je me le demande. Mais j'adore les ennemis invincibles. Combien environ? Oh non, 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 merde, con! Mais casse-toi! Putain, j'ai appuyé dessus, mais je pouvais rien faire, je pouvais pas l'arrêter, je pouvais. C'était. Putain, je vais l'activer tout de suite. Non, bah non, c'était de la connerie ce que j'allais faire. Heureusement que ça m'a pris la caméra. Mais pourquoi il pop là lui? Après on dégage en quartier. Quel dommage. Mais t'arrêtes lui. Oh, allez, on s'en fout. Le mec il pop devant moi. Bougez. Quel enfoiré. Il est où lui? Oh merde, merde, merde. C'est pas bon ça. Où il est? Putain, suis-moi. Ethan, bouge ton cul. C'est toi qui le bouge ton cul, connard.
Des petites protections sympathiques. Les bombes sont en place, mais c'est pas prêt. J'ai besoin d'encore quelques secondes pour charger le détonateur. Je dois bien faire gaffe à ce qu'ils puissent pas les désactiver. T'as un casque audio? Quoi? Tout juste. Il faut de la grande musique pour fêter ça, mon pote. Et du droit d'auteur. Ok, prépare-toi. J'espère que les cailles vont fonctionner. Ah la team, dis-le, mais elle est protégée. On a un boulot à proposer. Y'a les bonheurs. Oh putain. Mais ça sert à rien, sa merde. Mais arrête de te mettre debout, espèce de con ici. Alors, mais c'est bonheur, mon dieu. Oh oui, merde. Mais recharge pas. Putain, la vache. Mais t'étais tranquille, là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui, je suis monté, là. Il y avait du monde, alors j'ai pas frappé. Ouais, je modifie le son. Je crois qu'on peut modifier. Ouais, en modifiant le son, en modifiant le son, je crois que la vidéo ne peut plus être repérée. On va essayer de faire des trucs. Alors, moi là, encore, vous voulez entendre ma voix bizarre. La boucherie là. Voilà, comme c'est compté. Mais recharge pas ce moment-là! Neutralisé. Plus qu'il y en a encore un moment. Je sens que ça va être le moment de boucherie là, je sais pas pourquoi mais... Et surtout que là pour se protéger c'est parfait hein. Ah la vache. J'aurais fait sauter combien hein? 5 en même temps. Eh ça c'est beau. En fait c'était super simple. Voilà. C'était ça. Non mais j'adore, je me suis dit, ah ça doit être la dernière étape, mais ça va être super dur, tu me parles. Ah oui d'accord, c'est pas la dernière étape en fait. Putain, putain, ils sont pas putain. Michael Bexplosion, bonjour. Ça, je vois même pas quoi. Oh merde, j'ai dû me faire incendier par le sac. Ouais, c'est quoi ton truc? Ah, bien joué! Oh, ce qu'il y a. Mais tire où?
Ça, j'avais même pas vu qu'il y avait des lèvres. Ouais, c'est le moment qui est pas trop bien. Mais juste le moment qui est assez... assez chaud, mais là, non. Hey, tu vois quand je te disais que ça allait marcher. Wouhou. Tiens, à ton honneur. Une seconde, attends, attends. Non, bouge pas. Ça, c'est pour mon CV. Vas-y. Et à quoi ça sert de faire tout exploser? Ah, peut-être pour cacher ses traces, effectivement. Même si bon, je trouve l'explosion pas terrible. Hein. C'est juste du feu sur un vieux hangar dégueulasse. C'est nul à chier. Oh putain, on va où là? Et là, si tout va bien, vu qu'on a l'avant-dernière mission, à la dernière mission, faudra encore aller sauver l'autre con. Qu'on a fait aux deux derniers actes, j'en suis sûr, c'est ça. Je suis tellement devin que il s'est encore fait prendre ce con. Et c'est moi qui conduis, d'accord. Il est gentil. Au fait, je suis désolé pour l'attaque. Faut pas. T'inquiète. D'accord. J'essaie pas trop m'attacher aux choses. Je suis habitué à les perdre. Faudra que tu m'apprennes alors. Moi j'ai un mal fou. Oh, à le démarrage. Oh bah voyons. Alors que moi je suis sur un nuage. Mais ça veut pas dire que je suis pas reconnaissant. Malgré ça tourne mal quand même. Je suis un homme libre. Grâce à toi. Et maintenant retour à Chicago. Au fait, t'aurais pas un endroit où je pourrais squatter? Non. C'est installé dans ton ancienne station CityOS. Non, le bunker. Eh bah ça fera l'affaire. Mais j'ai quand même hâte de décrypter tes fichiers et de voir ce qui a provoqué tout ce bordel. Ces infos peuvent pas fuiter, T-Bone. Je dois les échanger contre ma sœur. Mais c'est bon, t'inquiète pas. Tu m'as rendu service. Maintenant, c'est mon tour. Je sais même pas où aller, là. Il y a une destination, là. Loul. En fait, j'aurais même pas avancé, j'en suis sûr, ça aurait été bon aussi. Ah, d'accord. Ah, d'accord. D'accord. Mais d'accord. Soyons fous. Ça, le poids de milliers de milliards d'octets d'informations au bout de tes doigts. Bon, tu vas devoir te planquer ici pendant quelques temps. Qu'est-ce que c'est, ce truc-là? J'en sais rien. Elle a un lien avec un ancien contrat. Et quelqu'un veut m'empêcher d'en savoir plus. Mais où l'autre péteux, là? Contente de voir que t'as rien. Je peux savoir ce qui s'est passé. D'accord, comme si elle avait pas vu. Des industriels, des flics pourris, de grosses explosions. Et toi, t'es qui? C'est Clara. Clara, voici T-Bone. Autrement dit, le légendaire Raymond Kenny. Sérieux? Qu'est-ce que tu veux? On n'est pas tous beaux gosses dans ce métier. Non, enfin, je voulais dire... Waouh! Je suis une grande fan. Ah. Enchanté. Et du calme. Porte quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Damien était là-bas. Quoi? Comment il a su? Je sais pas. Il traite une affaire de son côté. Directement avec Doom. Tu ne l'as jamais dit, ça? Non, y a pas d'attente. Tu dois me dire dans quoi tu t'es embarqué, sinon je décrypte plus rien, moi. Donc, Damien et Bloom? T'as pas besoin de t'inquiéter de ça. C'est moi qui décide de quoi j'ai besoin de m'inquiéter, Aiden. Écoute-moi bien. Je veux trouver un nom sur ce serveur. Le deal, c'est que moi je trouve les données. Et toi, tu les décryptes. Eh ben dans ce cas, on a un gros problème. Hé, attends. On a besoin de ton expertise. Il est carré. On a besoin de Raymond Kenny.
Et toi, t'es sûr de pouvoir récupérer les données sans te faire choper? Non. Ah, enfin, un peu de... C'est bon, tu peux te barrer? Ma copine Clara va m'expliquer quelques trucs. Il veut être jaloux, le pauvre petit. Merci. Oh. Ah, avant-dernière mission, donc là, l'autre con s'est échappé encore une fois. J'en suis sûr, c'est ça. Bon, toute ma Jésus. Est au complet. Clara devant ses moniteurs. Donc voilà le morceau. Pour m'aider à m'introduire chez Irak et Jordi. Bah, Jordi fait ce que Jordi fait d'habitude. Voyons ce qu'Irak cherche tellement à protéger. Ça fait même pas de fumée. Véhicule de merde. Donc voilà, la musique qu'on a vue, celle qui allait se faire enlever, bah vous l'avez vue, donc vous savez ce que c'est. C'est où faut que j'aille. Attends, normalement il y a une flèche jaune. Oui, c'est... Et donc là, normalement, la mission qui va me dire... Oula, attention. Je vais devoir entrer dans Rossi Fremont. J'ai besoin de ton aide. Tu me paies pas assez pour que je mette les pieds dans ce trou à rats. T'auras pas à le faire. J'ai besoin de tes talents de sniper. Je crois que jamais été passé par là. Jamais été passé par là. Hey, tu ne devineras jamais où je suis. T'as totalement raison. Je suis en train d'arroser ta plante. Maurice, passe-le-moi. Quoi? Qu'est-ce que t'as pareil? Si tu parles pas, tu bougeras pas. Oh, oui, d'accord. S'en prie, pitié. Je sais pas qui c'était. Tu comprends pas, j'ai été piégé. Je peux pas m'empêcher de voir cette petite fille. Elle me regarde. Oh, c'est lui qui l'a tué, Maurice. J'ai dit, ferme-la. Arrête de chouiner, toi, retourne dans ton coin. Putain, Pierce, qu'est-ce que tu lui as dit? Retrouve-moi là-bas. Arrosi, vraiment. J'y serai. Fallait s'en douter. Alors, je sais pas, bah là, parce qu'apparemment, on n'a pas entendu parler de... Mais apparemment, je suis dans la merde. Oh non, putain, je suis bloqué. Putain de chien. C'est moi qui me dis, oh là, je suis jamais passé par là. Mais on se demande pourquoi. Alors, peut-être en prenant un peu plus d'élan. Les ponts de Chicago connaissent actuellement des dysfonctionnements sans précédent. Et les experts se demandent si le CityOS ne serait pas la cause du problème. Ah ah, ça c'est drôle. Qu'est-ce qu'on se marre dans Watch Dogs? Qu'est-ce que je voulais... Donc là, je sais pas, parce qu'apparemment, ils ont pas énoncé mon petit bouchou que j'ai. Bon. Ça me saoulait grandement, ça. Hein. Est-ce qu'on peut pas se déplacer quelque part? Ou que je vais m'énerver? Bon, on va faire demi... Je fais de la merde. Je pense que faire demi-tour, ça sera plus rapide. Si une troisième fois, ça me fait perdre mon temps. Non mais si c'est pour faire ça, autant aller de l'autre côté, putain. Mais bon, qu'est-ce qu'il fait? Je suis Bulletman, le fort moyen. Une plage sympathique, voilà, et j'ai pas de véhicule. Ah oui, celle-là, je pense qu'elle va beaucoup marcher, oui, effectivement. Attends, oui, je suis con, il y a une superbe escalier ici. Ah, ça c'est pratique. En fait, on peut pas se faire écraser par voiture parce que j'ai l'impression que plus tu t'approches des voitures, plus elle ralentit. Elles ne pourront jamais te toucher.
très mal de leur part. Voilà, encore une connerie du GPS qui est détourné. Il va te faire foutre. Alors lui, il a pas voulu freiner par contre, hein. Alors on va voir comment se comporte l'IA. Il faut des appels de phare apparemment. Oh la vache. Non mais là voilà, c'est typiquement le genre de... C'est là que je devais sauter. Ah, c'est là. C'est quoi tout ça? Non mais voilà, c'est des phrases tellement nulles à chier. Pourquoi ils ont pas fait des super phrases et tout là? C'est juste nul là. Ils ont demandé aux stagiaires, tiens, mets-nous des phrases de merde sur le vieux tableau dégueulasse. Et puis voilà quoi, c'est laid. C'est vrai que les flics dans la ville, on n'en voit jamais. C'est que quand par exemple tu voles une voiture et qu'ils appellent les flics, t'en as en fait. Debout les gens, le CTUE c'est dur. Loul. Oui. Parce que là, dans GTA V, c'est toujours comme ça. C'est avancé tranquillement dans la ville. Et puis sans faire exprès, tu touchais un véhicule de police. Et puis là c'était l'alerte mondiale. Oh mon dieu, ils ont touché un véhicule de police, vite faut le buter, c'est un enfoiré. Bon. Alors que quand tu défonçais quelqu'un juste, enfin une voiture juste devant eux, mec ils étaient, bon on s'en fout. Ou qui grillaient un feu ou des trucs comme ça, mais ça m'enlève. Mais si on touchait à leur pauvre petite voiture de merde, là tout de suite. Ils nous attaquent. Là il n'y a pas de voiture. J'en ai pas vu du tout de voiture. C'est j'ai envie de dire c'est tant mieux. Bon, on est là. Moi ils nous font pas chier. Aïe. Attends, je vais encore essayer de ce truc parce que c'est drôle. Non. Oh merde, j'en ai plus de batterie. Loul. On va attendre que ça se remette. Si ça se remet un jour. Ou alors peut-être que j'ai trop fait et qu'on peut pas le faire. Merde, t'es le con, j'appuie sur. On s'en fout. Ah si, on peut. Alors si je le fais là. Bon, en fait, c'est de la merde. On va rater les conneries. Pardon. Il n'a même plus tourné. Mais saute. Je peux pas. Si tu fais rien, ils vont recommencer. C'est ça que tu veux? Tu s'attaques à une autre fille? Ils diront que je les ai provoqués. Ah ça, ils vont tout mettre sur le dos. Hein. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, ces enculés. Tu sais ce que je leur ferais, moi? Un grand coup de talon dans leur petite bite. Laisse tomber, d'accord? Un grand pantalon pour les petites bites. Alors, dernière mission. Donc là, si tout va bien, il y a l'autre con qui s'est fait enlever. Ce coup-ci, on oublie Bad Bug. J'y vais seul. Ah d'accord, là, on va carrément filtrer le truc. Je connais l'intérieur. Irak est quelque part là-dedans. Il va vite comprendre que j'arrive. Il sait ce que je veux maintenant. Cette fois, je repars avec tout. Oh putain, je pensais... Alors, je sais pas si on va voir le petit, mais là, c'est mal parti. Je sais pas si on va voir le petit, mais c'est mal parti. Petit, non c'est nul à chier. Ah ah ah, c'est drôle. Merde, oh le con! Ça y est, je suis à Rossi Fremont. Je te vois. Bon, tu vas me dire pourquoi on cherche la merde à ces mecs. Tu veux vraiment savoir? Pas vraiment, non. Il y a un ordinateur à l'intérieur. Oui, non, mais ça va, c'est bon. En fait, la vérité, c'est que je m'en fous. C'était juste pour discuter. Ha ha! Il est très fort, ce personnage, j'aime bien. Même si chinois. Oulé, oulé.
Bon, par contre, là, là, je m'en fous un peu parce que j'ai déjà fait ce passage, j'ai déjà fait ce passage-là dans une précédente mission. Là, ça recycle là. Surtout qu'apparemment, les gardes, ils ont l'air placés pratiquement pareil que. Ouf. Je dis ça et j'ai failli me faire voir. Mais bon, je connais ce niveau par cœur. Hein. Je l'ai fait 300 fois de suite. Il me fait pas peur. J'ai juste fait un coup de pied à la poubelle et part à 260 km. Clara, tu peux m'ouvrir cette porte? On est sur le coup. Thibaut dit qu'il a une idée. Ouais. Et j'utilise mon système de cryptage sur les portes de sécurité. C'est difficile de le trafiquer à distance, mais ta petite copine a eu une putain de bonne idée. Si t'arrives à couper l'alimentation de la porte, ça va rétablir le code base pendant une demi-seconde. Et tu le connais ce code base? Ouais. C'est même moi qui ai écrit l'algorithme. Alors on essaie? Sectionner l'éclair, appuyer sur R1. Alors on va essayer ça. L'éclair. Merde. Ça a Il est marché. chaud. Sinon, merci en personne. Sois prudent, Aiden. Ah, encore du droit d'auteur là. Ça c'est pas bon signe. Ah mais LOL! À peine rentré, à peine repéré. Je sens que cette mission va me faire chier. Donc je ne sais pas pourquoi, mais que je sais que c'est vrai. Mais non, mais je refais la même connerie. J'espère que cette musique va pas être détectée parce que ça me fait chier. Au pire, bon, je sais pas. Là, oui, y a un truc qui bouge là-bas. Comme c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est-il passé? Oh la chance, il m'a même pas repéré quoi. C'était quoi ça? C'est qui m'a repéré là? Non, je sais pas si on peut passer par là. En fait, je sais. Non, les escaliers sont fermés. Le seul moyen d'entrer. Mais bien sûr! Mais qu'est-ce qu'il fout là? D'accord, le mec me se met sur une break quoi, il est obligé quoi. Oui, je suis censé venir ici en discrétion, hein. Apparemment, c'est vraiment très réussi, hein. Oh, j'ai l'air fermé. De qui a dit ça? Personne m'a vu. Tu te prends pour un super champion des réseaux? Et ben moi aussi. Oh là, c'est pas bon signe, ça. Ah, d'accord, en fait, il se fout de ma gueule. Ça, c'est pas bon. Ah, mais il va pas repérer. Voilà, c'est comme ça que je fais chez moi. Ah, c'était beau ça. Ah, quelqu'un me tire dessus. Je savais même pas qu'il y avait un truc à déverrouiller. Qui me tire? Qui c'est qui me tire? L'ascenseur peut pas aller plus haut? Doit y avoir des escaliers. Ouais. Enfin, des escaliers, non, pas vraiment, mais ça. Mais c'est quoi de leur bâtiment en ruine là? Le truc pourrait s'effondrer à tout moment. Mais... Ouh, c'est pas bon ça. Ouh, c'est pas bon. Il y a quelqu'un qui est en train de me tirer dessus. Il y a du confiture sur l'écran. Je suis bon. Est-ce qu'il y a encore un truc à exploser? Ça serait marrant. Bon, là par contre, on voit rien du tout. Ah, c'est quand on tire, on voit. Voilà, il y a plus personne. Et apparemment, c'est plus rouge. Donc, c'est la fête du slip. Attends, c'est quoi qui est par là? Non, il y a rien. Non. Ah, c'était là qu'il était. Non, je sais même pas où je suis. Il ne sait pas où yes oui. Non. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est le manque de politesse. La
Oula. Ça se passe à un autre niveau. Les flics pensent qu'on surveille les rues, alors qu'en fait, c'est toute la ville qu'on surveille. Tu vas voir. Et si tu savais ce qu'on trouve. Dehors, en bas, on stocke en cas de besoin. Ah, il me dit quelque chose cet endroit. On l'avait déjà vu en caméra. Ah oui, bah c'était là d'ailleurs qu'on s'était promené en caméra. J'en ai même sur la mer. Ça sent la pute ici. J'en tirerai bientôt. Ça sent la pute. Non, je sais pas pourquoi, mais j'adore les dialogues, hein. Ils sont super. C'est dit avec une telle finesse que... Ah bah bien sûr, c'est typiquement l'ennemi que j'adore. Et en plus j'ai pratiquement plus de grenades. Attends, parce que je prends toujours cette arme, mais j'en ai 375 000. Faut dire, attends, il y a le MP5 qui est pas mal aussi, pardon. Et voilà comment on fait tir en pleine tête. Un tir en pleine tête, faut lui tirer 300 fois dessus pour le faire un tir en pleine tête. Olé. Oh, ça c'était bien joué, j'ai tiré dans le vide et c'était bon. Là, tout le monde va croire que j'ai de la skill, mais en fait c'était... Putain, je pensais que c'était un truc à déverrouiller. Par le côté. Putain, mais nous tirons dessus, pas bon, là j'ai tiré dans la tête et ça m'a pas marché. Tire en pleine tête, j'ai même pas vu sa tête. Tire en pleine tête. Merci le jeu bugué. Ah oh, merde, ah d'accord, c'est... Y a une petite... Attends, il y a peut-être des grenades à ramasser ici. Non, de l'argent. Et un scan City OS. Alors je sais pas quoi. Non, le scan City OS, je pense que ça doit servir à scanner tous les ennemis dans les environs. Pourquoi pas. Est-ce qu'on peut se faire une partie de jeu d'arcade là? Ça serait sympa. Et mon vidou. Est-ce que c'est quoi comme jeu là? Oh! Oh, je veux y jouer! Far Cry Double Dragon. D'ailleurs, vivement le Far Cry 4 Double Dragon. Est-ce qu'on peut vraiment y jouer? Genre, ah, j'insère ta coin. Oh, on va pas avoir la musique du jeu, ça serait génial. Bon d'accord, en fait c'est toutes les mêmes. Ça c'est quoi? Bon, on s'en fout. Partez de glandouiller là. Mais en fait c'est un fusil à pompe que j'ai ou quoi? Mais qu'est-ce que je fous? J'étais avec mon fusil à... automatique. Putain, il arrive... D'accord, le mec... Putain, il arrive... Je sais pas, il monte là, c'est... Des fois les ennemis, ouais, t'as vu, ils montent. Impressionnant, ils montent partout quoi. Le problème c'est qu'ils sont un tout petit peu couillons sur les bords. Mais bon, heureusement qu'ils sont pas non plus super intelligents parce que ce serait juste infaisable. Sinon. Surtout ces putains d'ennemis là. Putain, par contre ces ennemis, je crois que j'ai jamais vu des ennemis aussi puissants quoi. Surtout qu'on meurt relativement vite. Heureusement d'ailleurs que ça, que la santé se régénère, parce que là c'était même pas la peine contre ces ennemis là. De toute façon, contre ces ennemis, je pense que ces ennemis n'existeraient pas si la vie ne se régénérait pas. D'accord, mais bien sûr, ça n'a pas sauvegardé. Mais bien sûr. Rouah, il fait pitié, chien. Je suis même pas où je suis. Mais putain, je peux même pas sauter quoi. Ah putain, il est sans pitié avec nous ce bâtard. Par contre, il y en a un qui est derrière moi, il me fait peur. Non, mais faut pas rester là, espèce de. Ah, bien joué, il a fait un petit. Ah! Oh non! J'ai pas de chance du tout. Oh merde, j'ai mis le truc ralenti là. Le mec qui devait venir par derrière, fallait que ce soit lui. C'était écrit. C'est un complot là. Complot judéo-maçonnique. Donc là, on se replante pas. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un en haut. Il monte, espèce de canard. Putain de merde, ça craint grave là. Ça craint. Voilà. Donc là, je pense qu'on va rester où j'étais. C'est-à-dire ici.
Oh merde, je vous dis c'est bizarre, il y a un ennemi ici sur la carte, mais je vois pas. Oh merde, je l'ai tué. Oh le con. Alors ça c'est la boulette. C'est légèrement la boulette, effectivement. Je l'ai même pas vu. Mais il est... Ah non, il est... Mais il est parti avec l'autre con, là. Mais quel connard. Bon, allez. Monsieur, je ne bouge pas. Oh putain, il me prend par... il me prend en revers, le connard. Ouais, il fait la toupie. Oh, le connard. Mais quel fumier, il me passe à travers, là. Et puis, en plus, je lance une grenade, il bouge même pas. Et il s'en branle complet. Et regarde. Voilà. Et là, je vais mourir. Voilà. Je suis bloqué. J'aurais pas dû bouger. Oh, la chance, là, j'étais à deux doigts de mourir. C'est quel boulet. Mais quel connard. Ça, c'est un complot encore, hein. Putain, mais le mec, c'est. Le mec qui est à l'intérieur de l'armure, c'est un wesh quoi, non mais. Bien sûr, je n'ai rien contre les wesh, hein. C'était juste pour. Pas... qu'il n'y ait pas de confusion entre nous. Alors là, là c'est mission suicide, effectivement, là c'est... Hey. Ah merde, je croyais qu'on était en boîte là, non c'était le ventilo. Non, bien joué. Non, c'est complètement faux. J'ai un alibi, j'étais au cinéma. Oh mon dieu, il a explosé. Bon, j'en ai tué qu'un, super, je pensais qu'il y avait plus. Mais lui il était où? Pourquoi il est pas mort? Putain, mais les mecs ils se prennent des balles quoi, c'est génial quoi. C'est monsieur cliché quoi. Oh mon dieu, mon dieu, je me prends des balles. J'adore. Par contre, quand Pierre se prend des balles, c'est. Je suis insensible à la douleur. Il y a juste un peu de confiture sur l'écran pour mettre un peu d'émotion, mais. C'est tout. Ah bah, tout le monde est déjà mort. Je pensais que ça allait être la boucherie, mais non. La boucherie a manqué à Dieu. Putain, j'ai appuyé sur carré quand on est planté. Ça c'est quoi? C'est le four micro-ondes. Ah oui, parce qu'il n'a pas de reflet. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut un reflet dégueulasse sur le four micro-ondes. Ils sont forts chez Ubisoft. Non, franchement, un reflet sur le four micro-ondes, à quoi ça sert? Ils ont pu faire un truc transparent? C'est trop compliqué à faire. Quoi, comment ça je peux plus fuir? Bah si, je peux encore fuir là. Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, ils étaient pas. Non, ils étaient pas. Là, là, ça craint là. Putain, j'ai même pas appuyé. Putain, il se passe quoi? Mec, il est mort. Putain, il se passe quoi? Eh, qu'est-ce qui se passe là? Je suis décédé. Ah, bah voilà, on est enfin arrivé. Attention, c'est le reste de la boule. Non, on est où là? Oulala, on est où? J'ai jamais vu cet endroit. D'accord, leur espèce de placard qui sert à rien. Non mais le truc est déverrouillé qui est juste là quoi, non mais... L'intérêt du truc. Ah mais ils refont. Ils refont un truc à... Non mais c'est génial quoi, c'est celui qui a fait le... Le level design il était bourré là, c'est... C'est impressionnant. Là. Alors il y avait plein d'ordi destructibles et puis là bien sûr c'est l'ordi indestructible. Ça c'est impressionnant quoi, c'est... Je savais pas que ça existait, mais c'est... C'est impressionnant. Alors l'autre con qui savait pas pirater. Alors normalement ça...
Ah voilà. Et là, je peux pas bouger. C'est bon, Clara, j'y suis. Je vais même pas recharger mon arme. Tu vas bientôt recevoir des trucs. Oui, je le vois. Ça commence à arriver. Il faudrait peut-être se mettre à la fibre optique, là. Sur le décryptage une fois que le transfert sera terminé. C'est vraiment gros comme téléchargement. C'est l'arme principale d'Irak, son moyen de pression. Il accumule toutes ses infos depuis des années pour faire chanter les gens. Ok, c'est bon, on a tout. Maintenant, ramène-toi, Aiden. Thibaut a lancé le décryptage. C'est bon, j'arrive. Quelque chose me dit que ça risque d'être plus compliqué que prévu de sortir d'ici. Genre là, il y a 300 000 ennemis qui vont arriver d'un coup. Ah! Cinématique, pas du tout arrivé. Oh, sa mère, te voilà, toi. Te voilà. Crispin? Non, qu'est-ce que je raconte? Pire, c'est ça? Mais il est tombé d'un bateau, quoi. Des enchères. Irak, c'est toi qui me pourris la vie, connard? Parce que ça fait pas semblant en ce moment, moi je te le dis. Bouge pas, enfoiré. Je vais pas te laisser t'en tirer comme ça. Il faudra le tuer tout de suite, parce que là, il serait capable de te tuer de sang-froid. Tu veux niquer mes plans? Irak, ils sont tous nets! Alors c'était toi, l'autre hacker du Merlot. C'est ma monnaie d'échange. Mon chef-d'œuvre à moi. Et toi, t'essaies de me le piquer? Tu m'as volé quelque chose qui avait bien plus de valeur à mes yeux. Moi, je t'ai piqué un truc. Putain, je te connais même pas. Oh, mais explosion Michael Bay, bonjour. Ah, j'adore, j'adore. Allez, bien. Oh, mais c'est génial. Mais c'est qui a mis ça là? Non mais voilà, là ça met dans le Guinness Book des records des. Non mais c'est. Attends, on est censé passer par là au moins? Non mais même si on pouvait pas, qu'est-ce que c'est que ce vieux truc là? Ou alors je suis débile. Attendez. Attendez, mais c'est énorme ce qui est en train de se passer là. Non mais. Mais quel intérêt de mettre. Oh putain, j'ai réussi à passer! Ouh! Ça sent le boss. Tu rentres chez moi et tu veux voler mes trucs? Tu sais ce qui est fou, bâtard? Tu sais? Ah, tu sais qui joue le bâtard? Ça, c'est bien fait, c'est vraiment. Un petit minable qui veut jouer au gangster. T'as tout faux! Et t'es la petite pute de Lucky Queen. Va chier! Va chier! Oh, un petit peu de clipping là-bas. Des enfoirés qui se croient supérieurs. À l'arrivée, j'ai traîné leur cadavre dans le désert. J'ai jamais été aussi haut, je crois. Et là, on peut voir. Et franchement, le clipping là. Et plutôt. On voit plutôt assez loin, je trouve. Mais pas en un seul morceau, hein. D'accord. Quand j'en aurai fini avec toi, je m'occuperai de ta famille. T'as une femme et des gosses, des frères et des sœurs. Tu te fous bien, tu te fous bien. D'accord. Là, on voit des phares, on zoome, il n'y a plus rien du tout. En fait, c'est des vieux trucs dégueulasses. Reste pas, il n'y a personne qui va venir sauver ton petit cul. Ton sniper est neutralisé. Et la police ne viendra pas me faire chier. Ici, la police, c'est moi. Tu vas crever tout seul. Non, mais attends, il m'attaque ou pas? Parce que je pense vraiment que c'est un boss. En fait, il parle tout seul dans le vide. Écoutez-moi, cet enfoiré. Ah, ça peut peut-être marcher là. Sinon, oh, le beau clipping. Là, il y a un beau clipping. Oula, le beau clipping. Ah, ils arrivent. Là, c'est du beau clipping. Bon, admettons. Non, sinon, franchement, pff, c'est pas moche. On voit ces gens. On voit de belles petites montagnes dégueulasses. Je pense que c'est bon. Bon, est-ce que c'est au niveau du niveau de GTA 5? Je ne pense pas. Parce que là, ouais, dans GTA 5, il y avait quand même du beau clipping. Hein, je me rappelle quand t'étais sur le toit le plus haut de la map et que tu regardais sur un autre toit. Il y avait quand même du sacré clipping. Hein, faut pas non plus encenser. À 5. Ou là, il y en a aussi. Hein, mais... D'ailleurs, du bon gros clipping aussi. Puisque... On voit les voitures quand on est loin, mais on ne les voit pas quand on est près. C'est bien. Oh non, il va mettre encore 45 ans à les amener, les ennemis. Un petit minable qui veut jouer au gangster. Oh non, c'est saoulant là. Là, faut pas se planter. Et t'es la petite pute de Lucky Queen. Ouais, j'en ai connu plein de comme toi. Des enfoirés qui
Non mais dépêche-toi de finir ton pitch de merde. Ah tiens. Non non, hé, regarde, est là-bas. Oui bon, on voit les voitures, mais c'est des fausses voitures, hein. C'est juste des phares en fait. Parce que... Regarde, en fait, on voit juste des phares, regarde. Tout est fake dans ce jeu en fait. Tout est fake. C'est comme les reflets, tu dis, oh il y a des reflets, mais en fait c'est des fake reflets. Et là, regarde, il y a des voitures. Il y en a plus. Il y a des voitures. Il y en a plus. Il y a des voitures. Il y en a plus. Non mais c'est pas mal parce qu'au moins on voit qu'il y a de la vie. Mais tu zoomes. Ça vient dégueulasse. Voilà. C'est... Oula, attention, on va pas se planter cette fois-ci. Hein. En plus ils arrivent, mais vraiment... Il fait son pitch de 3 ans et demi, puis ils viennent me buter en un coup. Et voilà, et en plus ils me prennent en revers. Non mais c'est vraiment des bandes de... J'aime pas ça, moi. J'aime pas ça. Ah, apparemment il y en a que deux, donc ça va. Il m'en reste qu'un, il m'en reste qu'un. Ça risque de piquer. Meurs, voiture communiste. Faut pas faire la guerre à un soldat, mec. Ah, ça, ça veut dire. Vraiment qu'on est potes. On tape la discute. Ouh, ça. Barré avec tes fichiers, tu sais. Tout ce que t'as fait, tout ton travail, envolé. Le Merlot, c'est un hôtel de luxe. Une cage à gros richards qui demandent qu'à cracher leur pognon. Toi, tu me le voles. Mais un jour ou l'autre, quelqu'un te le volera aussi. Les secrets, ça circule. Et il y aura toujours des gens prêts à mourir pour les secrets. C'est la malédiction du pouvoir. Oh, c'est pas une négociation là. T'as voulu te battre, Pierce. Alors c'est parti. On pourra un plus grand connaître quand j'en aurai fini avec ta gueule. Là, je sais pas pourquoi, mais je le sens. Genre, il est en combi et tout. Super compliqué à détruire. En plus, la musique qui arrive là. Non, mais là, c'est. Voilà! C'est Boris! Putain, ce que je sais pas, mais j'espère. Mais c'est Master Chief le mec! Mais viens ici pour que je vienne te faire exploser. Putain, mais je voudrais le faire sauter avec ce truc, mais c'est pas évident en fait. Parce que j'ai peur de me louper. Ah. Ah, on dirait qu'il l'évite là. Ah non. Quel abruti. Oh là, je m'en veux. Oh putain le coup. Alors là, je sais pas où je vais revenir, mais ça me fait peur. Non, normalement, ça m'a sauvegardé après avoir attaqué les autres cons. Là. J'espère en tout cas. Ouh, c'est mal bon, c'est pas bon signe, ça, je sais pas pourquoi. Un petit minable qui veut. Non, non, putain, ça refait. Attends, parce qu'ils sont venus par où le toit là? T'étais la petite pute de Lucky Queen. Va chier! Va chier! Franchement, je sais pas du tout où ils viennent. Ouais, ouais, j'en ai connu plein de comme toi. Des enfoirés qui se croyaient supérieurs. À l'arrivée, j'ai traîné leur cadavre dans le désert. Je vais te renvoyer chez toi, tu vas voir. Mais pas en un seul morceau, hein. Et quand j'en aurai fini avec toi, je m'occuperai de ta famille. T'as une famille de gosses, des frères et des sœurs. Tu te fous bien, je te fous bien. Bâtard. C'est pas très gentil.
Alors je sais pas c'est qui a écrit ce pitch, mais je vais l'enfermer immédiatement. Hein. C'est juste chiant. Mais je sais pas d'où ils viennent. Ah oui, bien sûr. Il pop dans le vide. Ah oui. Ah oui, bah on est comme ça chez Ubisoft. Alors on sait pas comment les faire venir, alors on les fait popper dans le vide. Ah oui, bien sûr. C'est la fête. Oui, bien sûr, bien sûr. Le mec il ne meurt jamais. Évidemment. J'ai failli mourir là. Hein. Je veux dire. Mais putain. Mais c'est pas possible. Ça fait toujours plaisir. Non, ma compétence, hein, qu'est-ce que j'ai? Compétence de notoriété, bah j'en ai pas beaucoup. Putain, j'en ai 21 là, je le savais pas. Installation électrique, piratage. On va faire combat parce que j'en ai peut-être besoin un petit peu quand même. Améliore les dégâts, ça c'est bien. Améliore la stabilité. On s'en fout. Quantité d'explosifs transportables, c'est intéressant. Réduit considérablement les dégâts infligés par les explosions. Terminer 5 planques de gang, oui, ça, on fera ça plus tard. Il me reste combien? 12, putain, la vache. Conduite. La conduite hors route, bon, si tu veux, admettons. Diminue le risque d'éclatement des pneus, si tu veux. Ah oui, mais dire. Ah merde, j'aurais pas dû le prendre en fait, parce qu'il y a un succès où il faut éclater les pneus de toutes les voitures. Ouais, bon, c'est pas grave, je viens de faire une connerie. Même si je pense pas que ça sera. Hein. Ajouter un placement de batterie supplémentaire. Perturbe les communications ennemies. Transformateur. Ah oui, ça en fait c'était un succès. Bon, on prend ça. Faut pas faire la guerre à un soldat, mec. Tu crois vraiment qu'on est potes? Qu'on tape la discute? Je vais me barrer avec tes fichiers, tu sais. Tout ce que t'as fait, tout ton travail, envolé. Le Merlot, c'est un hôtel de luxe. Une cage à gros richards qui demandent qu'à cracher leur pognon. Toi, tu me le voles, mais un jour ou l'autre, quelqu'un te le volera aussi. Les secrets, ça circule. Et il y aura toujours des gens prêts à mourir pour les secrets. C'est la malédiction du pouvoir. Oh, c'est pas une négociation, là. T'as voulu te battre, Pierce. Alors c'est parti. Tu vas voir, je vais faire la misère. Je sais pas de par où il vient. Putain, il vient pas par le milieu apparemment. Ouais, il me fait chier là. Ils sont tous... oh. Mais je ne peux pas activer, mais je m'en fous de pas activer les commandes vocales de ma PS4 là. Ah, mais il me fait grandement chier ce jeu. Je ne peux pas activer. Qu'est-ce que ça peut me foutre? PlayStation, fais une pause. Vous ne pouvez pas activer les commandes vocales de ma PS4? Non, mais c'est une blague. Ah, d'accord. Attends. PlayStation. Attends. Ah, c'est énorme ce qui est en train de se passer. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le jeu, en fait, je crois que j'essaie de parler à la console. Alors on me dit, mais vous ne pouvez pas. Les commandes vocales ne sont pas disponibles. Alors ce qui est drôle, parce que quand je dis par exemple une marque bien connue de console de jeux vidéo, bah elle me dit, ah bah non, y a pas le droit, parce que vu que c'est une commande vocale. Quoi? Non! Ils ont pas le droit! Oh putain, il est mort. Mais c'est lui! PlayStation. Non mais ta gueule, ta gueule. Bon, vous le voyez pas parce que sur le live ça bloque, ça fait un gros truc carré noir dégueulasse. Mais il y a marqué vous ne pouvez pas activer les commandes vocales. Et puis bien sûr on recommence. PlayStation. PlayStation. Ah, il m'entend plus. Ah si. Qu'est-ce que peut dire d'autre? Fermez l'application. Démarrer PlayStation Store. Était la petite pute de la bah, il marche pas. Il y a juste PlayStation qui marche. En fait, si je dis, en fait, toutes les fois d'avant où j'avais ce message, c'est parce que je disais PlayStation.
Donc faut surtout pas que je dise le mot interdit. Alors là par exemple j'ai dit PlayStation, il m'a même pas entendu. PlayStation. Alors je dis de la merde et... Au lieu de dire PlayStation... Non mais il est même pas entendu. PlayStation. Il me l'entend plus. Il m'entend plus. De toute façon je pense que je vais désactiver ces putain de prendre vocal parce que c'est pour me dire ça à chaque fois. On va voir ça plus tard. Tiens, il y a des trucs là. Non. Comptez-moi cet enfoiré. Et ils vont repopper dans le vide et ça va être beau. Au début moi je crois qu'il y avait vraiment un escalier, genre ils étaient venus. Mais en fait non. Ils apparaissent dans le vide. Je vais oh aïe. Mais en fait, si j'ai bien compris, le mec qui était le gros pan, en fait, c'était pas lui, hein. C'est parce qu'il est revenu après. Hein. J'étais en train de le défoncer, mais il avait rien. Puis bien sûr, il m'a pris par derrière. Tout ton travail envolé. Le Merlot, c'est un hôtel de luxe, une cage à gros richard qui demande qu'à cracher leur pognon. Toi, tu me le voles, mais un jour ou l'autre, quelqu'un te le volera aussi. Les secrets, ça circule. Et il y aura toujours des gens prêts à mourir pour les secrets. C'est la malédiction du pouvoir. Oh, c'est pas une négociation là. T'as voulu te battre, Pierce. Alors c'est parti. Mais c'est de pire en pire. Bon, ça j'ai déjà fait. T'es mort. Est-ce que j'ai des. Attends, non, j'en avais pas récupéré. Non, j'ai même plus de grenades. Oh. Boost focus. Mais oui, par contre, c'est ceux-là, tu peux pas vraiment brûler en fait. C'est voilà, je fais n'importe quoi. Bon, Master Chief, on va se faire vite fait là, parce que. Mais c'est un plagiat de Master Chief en fait, ce mec. Ou alors je le vois mal. Non, franchement. Mais comment il a fait? Je sais pas si je vais passer. Si je passe ce passage en accéléré. Parce que là, c'est quand même relativement chiant. Hein. En fait, ce qui est chiant, c'est surtout. Voilà, là, on fait rien. Voilà, là, on se promène. Là, là, là. Et puis, je sais pas si c'est fait exprès. Parce que là, il y a juste le. Là, on est le super haut dans la main. Comme ça, on peut vérifier que le jeu est bien dégueulasse au niveau clipping. Alors, j'imagine même pas ce que c'est sur PS3. Hein. Le jeu sur PS3. Bon, tu veux me dire aussi. Non, mais on est sur PS4 quoi. Voilà, c'est ça le problème. On est sur PS4 là. Ça, c'est au niveau de la PS3. Après, tu veux me dire, voilà. GTA 4 quand il est sorti, voilà, c'était dégueulasse et tout. Et puis, tu regardes après ce qu'ils ont fait avec GTA 5. Il y a eu un. Alors, peut-être qu'il faut attendre. Que voilà, qu'ils prennent. Parce que bon, voilà, ils vont pas se dire, oh, c'est bon, la PS4, donc on va faire le meilleur truc du monde. C'est pas comme ça que ça marche. Bon, là, par exemple, là, c'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Et encore, attends, c'est même pas le sniper le plus. Mais j'ai même pas encore tiré. Allez, planquez votre cul. Oh merde, putain, merde. C'est pas passé loin. J'ai failli mourir comme un con. Faut pas faire la guerre, mec.
Allez, on est reparti. Tu crois vraiment qu'on est potes? Attends, parce que est-ce que là c'est vraiment une bonne cachette? Avec tes fichiers, tu sais. Tout ce que t'as fait, tout ton travail envolé. Le Merlot, c'est un hôtel de luxe. Une cage à gros recherche. Je pense que là, ouais, déjà là c'est peut-être plus. Ah, je sais pas en fait. Toi, tu me le voles, mais un jour quelqu'un te le volera aussi. Bon, on peut toujours essayer parce que je sais pas du tout où aller. Donc. Les secrets, ça circule. Ouais, bah en fait, on voit rien du et tout. Et il y aura toujours des gens prêts à mourir pour les secrets. C'est la malédiction du pouvoir. Oh, c'est pas une négociation là. T'as voulu te battre, Pierce. Alors c'est parti. T'as mis une demande de faire la couverture. Et putain, je pensais que t'étais prêt. Le problème en fait c'est que je peux vraiment pas l'attaquer longtemps. Regarde, mais la confiture qui est sur l'écran. Non mais imaginez si je suis en réaliste quoi. Imaginez seulement. Merde. Poton qui recharge en fait. Mais oui c'est ça, poton qui recharge. Oh, on y a quel boulet. Par contre, on peut peut-être recharger avant. Hein. Mais je suis con, hein. Je dis au moment où il faut recharger, le mec il était en train de me tirer dessus. Quoi? Mais je veux. Putain. Et là c'est juste l'horreur. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Je crois que j'ai. Et allez, on attend 3 ans et demi. Youpi! Je suis mort à cause de quoi? Je sais pas. Déjà, je suis trop con parce que. Un petit minable qui veut jouer. Youhou! C'est juste pour voir s'il y avait un mur invisible, mais apparemment non. Alors, je peux peut-être pousser l'autre. En plus, j'ai même pas de grenade, j'ai rien. Non, mais l'autre fois, je lance une grenade à l'autre con qui est. L'autre gros port et ça n'avait pas marché. Tu veux me chercher la merde, c'est ça? Tu rentres chez moi et tu veux me voler mes trucs? Tu sais qui je suis, bâtard? Tu sais? Un petit minable. Ah, mais attends, mais. Jouer au gangster. T'as tout faux. Mais oui, j'ai des. T'étais la petite pute de Lucky Queen. Va chier! Va chier! Mais oui! C'est génial ces trucs là. Ouais ouais, j'en ai connu plein de comme toi. Des enfoirés qui se croyaient supérieurs. En plus ce scénario. Mais les dialogues sont juste nuls. On s'en branle de ces dialogues. Encore ça serait des dialogues super intéressants, genre un ennemi super charismatique nous dévoilerait des trucs. Voilà. La Metal Gear Solid. On n'est pas vraiment dans Metal Gear Solid. Je sais pas, mais il faudrait compter le temps qu'on met à attendre son dialogue de merde, quoi. C'est juste terrible. Oh, c'est la baisse là! Oh, les mecs! Et heureusement que là, ils sont pas 300, parce qu'imagine. Ils sont 300 et juste après, t'as le boss, quoi. Le suicide là. Et encore, je suis même pas en réaliste. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Oui. Je vais me barrer avec tes fichiers, tu sais. Tout ce que t'as fait, tout ton travail, envolé. Le Merlot, c'est un hôtel de luxe. Une cage à gros richards qui demandent qu'à cracher leur pognon. Toi, tu me le voles. Mais un jour ou l'autre, quelqu'un te le volera aussi. Les secrets, ça circule. Et il y aura toujours des gens prêts à mourir pour les secrets. C'est la malédiction du pouvoir. Oh, c'est pas une négociation, là. T'as voulu te battre, Pierce. Alors c'est parti. Y'a personne qui nique, mon enfoiré. J'aurais pas fini ici. Ah
Oh merde, il était là. Non. Et bien sûr, je recharge. Regarde, regarde, il est encore là, lui. Ah putain, là ça me saoule. Eh, ça me saoule complètement là. Oula, PlayStation. Non, il me le dit plus là. PlayStation. Ou alors j'ai. Voilà, elle m'a retrouvé. Ah, il me manquait. C'est minable qui veut jouer au gangster. Ça commence à devenir légèrement énervant là. Surtout attends, j'espère. Oui. Qu'imaginez mes bombes là, elles sont plus même plus disponibles. Et on va tous les aligner. À la petite poussée. On va en garder une de secours, on sait jamais. Et puis bon, après ça, on va essayer d'en racheter parce que. C'est quand même sympa d'en avoir sous le coude un petit peu, parce que même les grenades à fragmentation là, faudrait que je m'en achète. Ah oui, mais attends, mais en plus. Non, c'est pas ça. Ce que je voulais voir, c'est que. Attends. Donc, combat. Mais oui, j'avais tout augmenté. Oh, putain, mais vu que je remeurs à chaque fois, ça marche pas. Donc... C'est génial ce jeu. Ah non, mais c'est bon là, il dure combien de temps son dialogue? Et la police viendra pas me faire chier. Ici, la police c'est moi. Tu vas crever tout seul. Regarde, ça devient flou. Ah oui, là ça se voit nettement là. Ah ouais, parce que vu que je vise là, là ça devient flou, c'est le focus sûrement. Hop, là c'est flou. Là c'est pas flou. Oh merde, j'y arrive. Oh, ça part en couille là. Ils sont tous du même côté là, je sais pas ce qu'ils foutent. Et allez, j'ai de la confiture sur l'écran, mais c'est génial. On va attendre que ça s'enlève et qu'on va pas y aller à la suicide. On se met tous au même endroit maintenant. Avant ils me fonçaient dessus. Mais putain, mais pourquoi je vise alors que je recharge? Mais qu'est-ce qu'elle fait la vidéo? Oh. Mais des fois le truc il se met super rapidement quoi, pour une raison j'ai l'impression que c'est complètement au hasard quoi. Parce que regarde là, ils ont rien mis. Et on va se reprendre un petit peu de combat. Alors non pas ça. Ah non mais ça servait à rien d'en mettre trop là. Bon, c'est pas grave. Voilà, on va être bon. Faut pas faire la guerre à un soldat, mec. Tu crois vraiment qu'on est potes? Qu'on tape la discute? Je vais me barrer avec tes fichiers, tu sais. Tout ce que t'as fait, tout ton travail, envolé. Le Merlot, c'est un hôtel de luxe. Et on s'en fout de ton Merlot, là. Tout le monde qui a craché leur pognon. Toi, tu me le voles. Mais un jour ou l'autre, quelqu'un te le volera aussi. Les secrets, ça circule. Et il y aura toujours des gens prêts. Oh là, et là c'est plus je l'entends ce scénario plus bah ce dialogue plus ça me répile quoi, c'est pas une négociation là. C'est juste de la merde en fait. Alors, te battre, Pierce. Alors c'est parti. Il y a celui qui a fait le scénario. Allez viens petit poussé. Merde, il a tout fait par dessus. Pas prévu au programme. Et ça laisse du temps à l'autre connard de venir. Et voilà. Quoi? Il m'a lancé quoi là? Il m'a lancé un barbecue? Oui. Oh putain, j'ai lancé les deux bombes en même temps, mais c'est n'importe quoi.
pas que c'était possible. Oh, ça c'est beau! En pleine tête! Il est tombé d'un bateau quoi? Qu'est-ce qu'il faut avec un gilet de sauvetage? Irak protégeait une énorme quantité d'informations qu'il utilisait pour faire du chantage. Mais il cherchait quelque chose d'encore plus important. Il voulait la vidéo. Quitter aussi vraiment. Oui, bah. Il n'aura pas réussi à la. Ah oui, bah c'était ça que je disais. Les Viceroy ne mettront pas longtemps à se regrouper et à choisir un nouveau leader. Oui, c'est ça que je voulais, moi. Quant à Bedbug, c'est sa chance de quitter tout ça. J'espère qu'il la saisira. Ah bah tiens. Ah bah, eh voilà. Un sac de munitions. Parfait. D'ailleurs, je les ai pris à temps parce que. Voilà. Quitter aussi vraiment pour une téléporte, c'est génial. Oui, donc ce que je disais, c'est que ouais, quitter Rosy Fremont, je me disais, ça ne veut pas être aussi simple. Et ben voilà, on a passé au moins une demi-heure dessus. C'est génial, quoi. Et encore, à la fin, c'était pas encore gagné. Hein. Parce que je me suis planté avec les bombes. Rue de progression. Ah oui, c'est vrai que j'ai fini l'acte. Le petit ramage qui va bien. Nouveau PT proche. Ça, c'est fait. Trophée. Tu fais pas mal de bruit, mais tu progresses au moins. Je sais ce que je fais. J'ai pas besoin de t'avoir sur le dos. Oh, je crois. Tiens, Mélila. On a toujours mieux bossé en équipe, et tu le sais. C'est pas une faiblesse de l'admettre. Sois honnête. Sans moi, t'aurais pas les données. Et tu les as, pas vrai? Ouais, j'ai tout. Maintenant, libère Nikki. Bah voilà, je savais que t'y arriverais. Tu vois, on a réussi. Amène-les-moi, maintenant. Et bien seul. Le truc que je comprends pas, c'est à quoi ça sert les check-in quoi. Après, ça donne d'accord, ça donne un peu le. Mais même, ça donne des... C'est un peu comme les bases de données de Assassin's Creed, mais en pourri et complètement inutile et au safe quoi. Je vois même pas l'intérêt. Et puis surtout, c'est un check-in, qu'est-ce que ça sert? Genre, le mec qui fait le plus de check-in devient maire, mais. C'est complètement de la merde! Tiens, on va essayer de sauver quelqu'un, il y en a un juste à côté. Mais voilà quoi, c'est n'importe quoi. Attends, il est où? D'accord, il est là. Attends, mais il est où? Donc cette fois-ci on va se planter comme la première fois où j'avais tué le citoyen au lieu de l'autre. Biche! Non, non, non. Hey. Ah oh. Police, précisez votre urgence. Envoyez s'il vous plaît. Du monde, ça tire de partout. Mais putain! Bah, j'ai pas tué le con là. Ouais, c'est foutu, je suis en train d'aller dedans. Génial. Allez, génial. Mais génial! Je sauve quelqu'un, le mec, il me dit. Allez, les mecs, tiens, 2 sur 20. Crime détecté, tiens, c'est un. Ouais, c'est foutu. Les crimes détectés, c'est aussi un. Comment dire? Je sais même plus quoi dire. Une mission, voilà. Mission en fer pour avoir le platine, je ne savais pas. Enfin, je sais pas en fait. Je ne sais pas du tout. Ah merde, progression, oui, parce que quand on est sur le portable, ça ne marche pas. Donc là, voilà, ce que je dis, voilà. Il me reste acte 4, 8 missions, et donc 9 missions. Donc là, voilà, 25% du jeu, je pense que voilà. On est bon. Sinon, voilà, ça va être dans mini-jeu. Non, je sais pas du tout. Ça. Enregistrement, intrusion. Ah! Non, je crois, j'ai vu trafic des trucs. Hein. Ah si, attends, c'est là. Crime détecté. Système de détection de crime pour neutraliser 20 crimes. Criminel. Utilisez le système de détection des crimes pour neutraliser 20 criminels confirmés. 20 criminels, donc faut tous les faire en fait. Ouais non, peut-être pas tous, peut-être qu'il y en a partout en fait dans le... Dans le jeu. Mais quand j'en vois en fait, il faudrait mieux les faire parce que... parce que sinon je vais être obligé de les faire plus tard. J'aurais pu faire un petit dérapage là, mais. Là, je vais essayer de faire un petit dérapage.
Je l'ai fait un peu trop tard. C'est légèrement compliqué. Merde, je me suis pété les pneus arrière là. Non mais le bruit est infernal quoi. Bon vu que l'icon elle va pas me suivre. Ah oui c'est vrai que je suis route alors c'est pas évident mais non là. Ah non en fait il m'a percé. Attends j'ai pas compris. Et voilà les flics qui sont complètement débiles. Les flics débiles. Qui me prennent de je ne sais où. Oh putain il y a une véhicule juste là. Une voiture de patrouille s'approche de la position du suspect. Oh merde. C'est quoi cette vieille voiture? Pour partir en vacances. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a vraiment des abrutis ici. Bah, percez-moi des pneus, tiens, comme ça j'aurai le succès. Bah, si tu veux. Et voilà, ça n'a strictement aucun intérêt, ils foncent dans les autres voitures alors que c'était au rouge. J'adore, c'est juste complètement con en fait. Mais c'est pas réaliste, c'est ça le problème. Ça part d'une plutôt bonne idée, mais... C'est juste complètement con en fait. C'est pas... C'est... Ah mais bien sûr, il y a un hélico. Ça c'est génial. Ah les bornes, ça va être drôle. Oh putain, je peux même plus le réactiver. Qui a sorti les bornes? On a besoin d'un accès au City OS. Ça, c'est beau. Attends, mais pourquoi j'ai les flics déjà? Ah oui, parce que j'avais sauvé le civil. Et à cause de ça, j'ai les flics. Ah, puis bien sûr, attends. Ah, puis bien. Voilà! Voilà. Là, le jeu. Parce qu'on peut désactiver les copains pendant quelques temps, mais... Attends, ce que là, c'est... Bah, je suis obligé de sortir de mon véhicule pour faire ça, quoi. C'est complètement honteux. Okay, il a le fric qui est encore dans les... dans la campagne. Bon, il est... je crois que c'est 15 secondes. Je sais plus si j'avais acheté le truc 30 secondes. Oh merde! Alors ça, c'est un complot encore. Oh putain. Alors là ça va être chaud parce qu'il y a l'hélico qui revient. Il y a les flics qui me reviennent dessus. Oh là 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 là. Ouh que ça va être chaud. Ah puis bien sûr c'est un cul-de-sac. J'ai pas de chance. C'est bon là c'est malchance. J'ai eu de la chance. Oh là mais... Non mais le jeu il rame des fois. Hein. C'est gênant. LOL. Parce que je suis pas sorti du cercle, alors peut-être qu'il faut les semer pendant quelques temps, ouais. Ça doit être ça. Pardon ? Non mais le mec, donc il reste... ouais. Attends, j'en suis sûr ça va être ouais, au centre. Et là, normalement, vu que c'est la planque, on peut faire un trajet rapide et je vais pas me faire chier. Accès au bunker, accès au bunker. Et finalement non, dans la réunion pas de... de neveu à sauver. Attends, de neveu, oui c'est un neveu. Oui c'est un neveu, effectivement. Donc c'est pas... Et bah voilà, j'avais mal intuité. Effectivement.
vu ça? Bon boulot, non? Aiden, il y a tellement de trucs. Il n'y a plus qu'à passer toutes ces infos, pas une fin. Ouais, bah t'as de la veine. Parce que dans ce merdier, les noms, c'est pas ce qui manque. Et ils sont tous liés à des trucs illégaux. Des flics pourris, le club, les manias de la finance. Il y a même des notables bien sous tout rapport. Irak voulait faire chanter toute la ville. Hé, attends, c'est quoi ça? Ça vient du serveur? Merde, quelqu'un essaie de moquer. Putain, s'il y arrive, on perd tout. Allez, mange-toi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Remonte son signal. Si on localise la source, on peut bloquer son accès. Allez, groupe-toi. Ah, c'est drôle. Putain, là... Oh là, ouais, mais faut zoomer. Oula, mais attends, mais c'est complètement illisible. What? Putain, mais faut pas être cardiaque, là. Mais ah! Mais ça veut rien dire! Oh bordel de merde! Il envoie des séries de malware! Mais je comprends même pas comment ça fait, mais. C'est. Ah, mais attends, mais c'est complètement débile là! Attends, non. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est vrai que depuis le début du jeu, on avait que des trucs de merde. Mais en fait, là, en fait, c'était assez simple, hein, franchement, c'est juste que... Voilà. Eh bien, mais... Ah, bien sûr. Voilà, bon, celui qui est cardiaque, là, bon, bah, voilà. Déjà un décès. Merci. Il désactive notre système de protection. Attends, c'est pas normal, là. Attends, c'est pas normal, là. Oh putain, oui. Je sais pas combien d'étés de secondes, mais je crois que c'était juste. Alors pourquoi ça ressemble à un pénis, je ne sais pas. Qui c'est, mais à mon avis, ça ressemblerait à Diddy Paul. Quand il marche au contrat, le vrai connard, quoi. Enfin, c'est quand même un pro. Merde. Ça me reste combien de temps? Ah, il me reste 30 secondes, ça va, on a le temps. Enfin, je dis ça, mais... On peut peut-être pas prendre trop son temps non plus. Voilà. Loul! Tu sais qui c'est? C'est lui. C'est Deep Vault. Fils de pute. C'est qui ça, Clara? Il a l'air de te connaître. Je sais pas. J'en sais rien. Play me. Je vais le lire. Non. C'était pas trop difficile de les retrouver. Deux hommes, un hacker, un fixeur. Enfin, on dirait. J'ai jamais entendu parler d'eux. Je peux t'expliquer. Je voulais te le dire. Leur nom, je vous prie. Qu'est-ce qui va leur arriver? Depuis quand ça vous intéresse? Le tarif est plutôt convenable. On était d'accord. Damien Briggs. Aiden, quelqu'un s'infiltre. Clara. La salope. Aiden, laissez tout effacer là. Faut le dégager, et vite. Aiden, dépêche. Préparez-vous, je coupe le lime. Aiden. Qui a donné l'ordre? Je savais, je te le dirai. Je te le promets. Je suis vraiment désolée. Je veux plus te voir. Oh mon dieu, il l'a jeté! Oh merde. Tu peux me tracer ça? Ouais. Ouais, je m'en occupe. Fais chier. Attends, il a coupé la lime, mais ça marche encore, c'est la fête. Hey, où tu vas? Cet enfoiré, il vient de nous coller un putain de virus. Il a copié tout ce qu'on avait. Il a tout effacé sur nos systèmes. Il savait exactement comment nous avoir. Je dois aller relancer la tour de backup. D'accord, là, sans le dialogue qui se remet direct. Default. Et sans default, pas de données. J'y vais. Non. Laisse-moi, c'est moi qui y vais. J'ai pas peur de me salir les mains. Écoute-moi, Aiden. Tu vas devoir retarder Damien, au moins pendant un moment. Damien, j'en fais mon affaire. Je t'appelle dès que j'ai fini. Bonne chance, mon frère. Mon pote Laura.
ça devient une histoire personnelle. Cet acte 4 commence bien. Je sens que cette... Oula. Eh, ça ramouille encore un petit peu, là. À chaque fois que je fais une mission... Bah, ça ramouille. Ça ramouille, quoi. C'est pas... ce qu'il a dans la tête, mais ce default... C'est ponctuel. En train de risquer la vie de Nikki. Et c'est pas le moment pour venir m'emmerder. Mais attends, mais voilà, j'ai toujours... du temps auprès de Damien. Toujours pas compris comment... Où on... Mais ils disent qu'il fallait en bas, en fait. Il y a une espèce de flèche, donc je pense que... Attends, mais oui, mais attends, mais je suis con. Je fais ça. Je peux même pas en ajouter. Hein. On va pas les pirater chaque fois. Hein. Où est-ce que t'es ? Tu m'appelles pour me faire plein de promesses, et après, plus rien ? C'est pas sympa. Cette fois, on va se voir. Face à face. Alors, attends, je m'étais là. T'as prévu mon petit cadeau ? Faut qu'on parle. Dans ce cas, je choisis l'endroit. Mais je sais toujours pas où je dors. De toute façon, je pense qu'on va arrêter là. Eh bien, ça doit être normalement, je ne sais pas quelle combien de parties, mais voilà. Normalement, la 8ème. Si j'ai bien compté. Bon, sinon, cet acte 4 commence bien. Et j'espère qu'il finira bien. Enfin, il commence bien. Il y a eu des retournements de situation, c'était complètement impressionnant. C'était... Mais attends, il reste qui? Bah oui, tout le monde s'est barré. Parce qu'il y a l'autre trou du cul, il allait... Il s'est dit, je vais pas me saisir, je vais me saisir les mains. Et puis l'autre, je lui dis, je veux plus te voir. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai pas trop compris. Hein. Elle était méchante. Hein. Plus c'est elle qui a appelé, hein. Et c'est elle qui a même payé le mec pour... C'est ça que j'ai pas compris. C'est-à-dire, je peux tout expliquer. Bah explique alors, pétasse. Mais elle nous a même pas expliqué. Bah non. Attends, on est dans un jeu et tout, alors... faut que ça joue. Faut que ça garde le suspense. Parce que franchement, savoir pourquoi elle a fait ça, ça serait déjà... C'est intéressant, parce qu'elle vient de nous quand même... De nous péter le serveur. Je sais pas si c'est vraiment la fête au village. C'est bizarre, il y a même pas de voiture maintenant. Mais il est toujours sur son portable. Hein. Attends, si je fais ça. Mais lâche ton portable. Ah oui, parce que j'ai le profiler. Mais c'est dommage parce qu'on peut pas voir, on peut pas changer la vue déjà. Donc ça c'est un peu embêtant. Tiens, on va voir s'il y a du clipping. Ouais, déjà ça c'est pas mal, c'est assez dynamique. Mais c'est vrai que là, on voit pas. Hein. Bon, peut-être que c'est pas le meilleur endroit. Tiens là-bas, il y a de l'herbe. Là franchement il n'y en a pas. Hein. Regarde. Ah si, il y en a là. Ouais. En fait, c'est tout aussi dégueulasse là que là, donc. On va arrêter les conneries. Donc, on va se retrouver la prochaine fois pour la suite de l'acte 4. C'est vrai que c'est suspensieux de finir sur un cliffhanger pareil. Et ça donne envie de faire la suite tout de suite. Quoi? Mais je crois que la ville était
Mais qu'est-ce que vous faites avec des canapés là? Mec, il dort dans les bottes en carton en plus. Non mais attendez, il y a tout un village, tout un complexe ici. Et les mecs s'amusent à dormir dans les cartons quoi. Mais c'est génial. C'est parfait, c'est génial. Surtout que normalement il n'y a personne ici, c'est notre bunker. Enfin, c'est un peu évident qu'il y en ait quand même ici. Même s'il est fermé. Ça reste quand même en plein milieu de la ville. Bon, hop, on va arrêter parce que là je parle dans le vide. Et c'est embêtant. Donc, je vous dis bye bye et à la prochaine.